Assalamu alaikum, kerakou dairin, labas alaikum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit jus vitaminé, ultra gourmand, sain, avec plein de fruits, des fruits secs, des légumes, des petites gourmandises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça Zaza. Zaza, c'est un jus très vitaminé, très connu au Maroc. Et on le trouve dans la street food et tout, c'est ultra bon. Alors, allons-y pour la recette. On aura besoin de deux avocats qu'on va mixer avec du lait. Alors, tout dépend. Est-ce que vous voulez du jus d'avocat bien concentré, épais ou fluide? C'est à vous de doser le lait, quoi, la consistance voulue. Vous trouverez comme d'habitude tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc on va commencer par mixer. Moi, je vais pas mettre de sucre parce que c'est déjà sucré. On va rajouter un peu de petites gourmandises, pas trop, mais je vais moi sucrer l'avocat avec des dattes et des raisins secs. Après, vous, si vous n'avez pas les dattes et les raisins secs, vous pouvez mixer avec du sucre. Voilà. Donc, je vais commencer par peser. Mais je vais mixer d'abord les raisins. Donc, il y a à peu près 30 g de raisins. Donc, les dattes, il y en a 9. Voilà, ça fait à peu près 80 g. 9 dattes. Maintenant, je vais mettre les avocats, deux avocats. Je vais mixer l'avocat avec les fruits secs, c'est-à-dire les dattes et les raisins secs. Donc, on va mixer. Donc, je vais y aller, non pas, je vais aller progressivement. On va voir. D'abord, je vais rajouter 300 grammes. Je vais voir la consistance que ça va me donner. Alors, 300 grammes. Et on verra par la suite. C'est en fonction de vous, du souhait, soit vous le voulez liquide, soit épais. En général, c'est épais. Donc voilà, on va mettre. On va y aller turbo. On va aller progressivement 30 secondes. On va y aller. Ok, c'est bon. On va racler. Regardez. Donc après, comme je vous ai dit, soit vous, si vous l'aimez sucré, vous mettez du sucre. Moi, je trouve que avec ce que je vais rajouter par la suite, c'est bon, quoi. Alors, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, je vais rajouter encore. Je vais encore un peu mixer. Pour bien mixer les raisins secs, mais au niveau de consistance souhaitée, c'est bon. Regardez. Et, je vais rajouter, allez, ouais, je crois que je vais rajouter 50 g de lait, pas plus. Des masses, on va voir. Oups, voilà, 57, c'est bon, on est bon. On va mixer turbo. Là, je suis voilà 7,5, je pense que c'est bon. Alors, c'est bon. Soulève tout doucement. Ouais, c'est bon. Alors, je peux vous montrer. Voilà. C'est bon, c'est ce que je recherche. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite de la recette. Ultra simple.
On va découper en morceaux tous les fruits, fraises, pommes, bananes. On va concasser les fruits secs, les amandes, les noix et la pistache. Et vous verrez la suite. Donc nous allons commencer le montage. On va prendre un gros, grand mug. Soit vous avez des mugs type, vous savez, les jarres qu'on trouve. Moi ça je l'ai acheté en Espagne et ça m'a fait rappeler le bled parce que en fait ils nous donnaient le Zaza dans ces grands contenants comme ça. Donc on va prendre du caramel. On va essayer de faire sur les côtés. Voilà, comme ceci. Puis on va prendre un flan. Ça, c'est un flan que j'ai fait à la maison hier. Ou sinon, vous pouvez prendre flambi. Vous savez, les types flambi avec le caramel. Mais bon, ça, je l'ai fait moi-même. Donc, y a pas... on le met au fond. Vous allez voir, c'est un assemblage de. Vous voyez, comme ça. Mettre en bas, puis on va prendre maintenant nos fruits, on va mettre la banane, un peu de banane, voilà, je sais pas si c'est ultra méga giga bon, j'adore, quand je vais au bled j'en commande souvent et franchement ça c'est sain. Après, c'est vrai qu'il faut occulter les Kinder et tout. Mais moi, je prends sans. Je commande parfois sans les chocolats et tout. Je me commande juste les fruits. Puis après, un peu de fruits secs en mélange. Comme ceci. Voilà. Après, on va mettre notre. Jus d'avocat et ainsi de suite. On va y aller, on va faire une superposition de couches de. Je rajoute le flan. Donc c'est vrai que si vous mangez ça après vous n'avez plus faim pendant au moins une bonne heure quoi, enfin une heure, toute la journée vous êtes rassasié. Mais croyez-moi, essayez-le et vous n'allez pas être déçu. Franchement, moi, j'adore. Un peu de fruits. Je vous rassure, mes mains sont propres. Hein, donc, à force de les laver, j'ai plus d'empreintes. Et on rajoute notre pour ça je vous dis de faire dans des grands contenants. Et là, laissez libre cours à votre décoration, imagination, ce que vous voulez. Attention, je vais rajouter des petits Oreos. Je vais rajouter la moitié d'un. Voilà, comme ça. Un peu de fruits. Ouh, ça dégouline, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, un peu de fruits. Voilà. Un peu de fruits secs. Voilà. Et
coulis de chocolat ou de caramel. Après, c'est à vous de voir. Notre Zaza. Croyez-moi, je vous jure que c'est bon. Très, très bon. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette petite escapade gourmande vous aura plu. Si elle vous a plu, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je vous dis sur ce, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.